Bon, la famille, je suis venu récupérer ma Rolls. En fait, on a changé le pare-brise. Il est frais, le pare-brise. Changé en 1 heure, une misère. Et en même temps, je suis venu voir la Safrane, qui est en carrossier chez vous. Parce que faut, en fait, les gens comprennent pas, papa. Il y a pare-brise et carrosserie. C'est ça. Regardez, pare-brise, carrosserie. Maman, quelle épave quand même! Non, mais c'est dissocié. On a les pare-brises dans la partie showroom là. Voilà. Pour éviter les poussières, etc., etc. Oui. Et on a l'atelier, la cabine, la carrosserie avec un petit peu beaucoup de voitures. Et voilà. Et voilà. Et il y a. Et il y a la Safrane. La beauté. Voilà. La beauté. On est dessus. On est très belle, frérot. Elle t'a fatigué la voiture. Un peu, mais bon. On avance gentiment. Ça avance, voilà, la famille, on est là. On avance. Donc voilà, la voiture, elle est là, comme on disait. Bon, il y a pratiquement une complète sur la voiture. En vrai, les safranes biturbo, normalement, il ne faut pas les toucher. Il faut les laisser dans le jus d'origine. Papa, regarde, qu'est-ce que tu veux me faire partir avec un truc comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai envie de repeindre. Pas un moment, Seigneur. Ma mère, elle avait exactement la même. Elle est dans son jeu, elle est magnifique. Là, tu auras tout le latéral qui va être refait. En fait, il y a pratiquement une complète. Quasiment, ouais. Ouais. On va faire aussi les 4 jantes, parce qu'elles ne sont pas très jolies en couleur. On va les faire en alu. Donc ça va lui donner un petit cachet sympathique. Les vitres teintées et après Psartec. Voilà. Et après, c'est parti. Voilà, c'est parti. Bleuté. Voilà. Non, ça y est. Ah. Ça y est, je veux plus faire ça. Ça y est. Non, maintenant. Pas sur le def. Tu sais. Ah, tu l'as fait? Ouais, on l'a fait sur le def. Ouais. Tu sais ce que je fais maintenant? Je teinte les pare-brises. Ouais. 5%. Frérot, tu montes dans la voiture, fais dodo. Black. C'est une horreur. Mais bon. T'as vu mon petit bébé ou pas? J'adore ça, frère. Ma mère, elle en avait une comme ça en toute blanche. T'as vu mon petit bébé Morgane là? Elle est belle. Hein. Elle est belle, hein? Maman. Ah, ils te l'ont saccagé? Ouais, ouais. Gratuitement. Gratuit, en plein 16e. J'étais garé tranquille. En plus, une voiture comme ça, qu'est-ce qu'elle emmerde les gens là? La vérité, non, c'est. C'était juste pour l'emmener de. C'est un péché en plus de faire ça. Regarde comment elle est belle la voiture. Bah ouais. Écoute. Hein. C'est pas grave. On va la faire. Ça aurait été celui-là. J'aurais compris. Non, il est énervant celui-là. Frère. On va refaire faire ça par un cellier. Tu refais ça, moi j'ai un bon cellier en plus. Ouais, on va le faire. J'ai un très bon cellier. Parce que c'est dommage. Mais oui, c'est très dommage. C'est péché de la laisser comme ça, mais elle est très belle. Bon, ok, frérot. Écoute, moi je vais récupérer ma Rolls. Et puis allez. Hein. Donc voilà, vous m'avez fait le pare-brise, nickel. Rien à dire. Et la Safrane est chez vous. Et puis ça suit son cours.